Yo tout le monde, c'est MathéoCraft35. Je vous fais une petite annonce pour dire que TheCravy31 s'achit dans les réglages d'OBS et a mis le son du jeu beaucoup trop fort. XD. Donc maintenant, on entend plus ce pico. Eh bien, salut tout le monde, c'est TheCravy31. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 que j'ai acheté sur Turbulence de Pré-Sequel. Des épisodes très espacés. Je suis vraiment désolé, mais en ce moment, je suis pas mal occupé. Voilà. Bon, bref, donc on s'était arrêté à l'entrée du cluster, on sait plus combien. Même quand je m'en souviens plus, comme ça fait longtemps, on va explorer. Donc, on est à Overlook. Je crois que c'est le cluster Overlook. C'est ça. Donc, c'est parti, on y va. La clé dérogatoire émet un signal. Je charge l'emplacement sur votre système Echo. Les habitants d'Overlook te verront en tant que claptrap. Très bien, donc je suis... C'est là que j'ai vécu quand Jack m'a viré. Il disait que mon programme chasseur de l'arche.exe était un vrai fiasco. Ouah, voici claptrap, soleil de nos jours. Ouais, y a comme qui dirait une grosse arnaque. Notre cœur s'emballe. Oh, c'est vraiment fantastique. La clé dérogatoire est coincée dans... Oh, et c'est quoi, cool, ça? Analyse en cours. Intéressant. La clé est coincée dans un souvenir gelé. Pour la dégager, il faut défragmenter le cluster. Et là où c'est bloqué... Revivre les moments qui ont mené au duel épique. Ok, donc il va falloir tailler dans tout ce bordel encombrant pour délicher la clé dérogatoire. Quelle perspective réjouissante. Ok, on est tous amis ici. Alors on va toucher à rien de rien et partir se balader ailleurs. Oh, et si on allait à la plage? Commence par détruire les bannières. C'est des fausses. Dévoile la véritable nature des festivités. Formidable! Des glitchs! Visez la lune. Même si vous la ratez, je sais pas quoi. Les étoiles. Donc, voici mon cri du cœur. Est-ce que tu peux t'en aller, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Non, je bosse pour Jack. Désolé, je ne vois pas de qui tu parles. Par contre, je vois qui est le beau Jack. Et maintenant? Maintenant que les faux souvenirs sont supprimés, le système devrait se réinitialiser. Reconfiguration mémoire détectée. Redémarrage. Ça va faire mal. Voilà, on redémarre le cluster. Joulala, écran blanc. Je m'en souviens! Ok, ce jour-là, je suis venu aider Dave pour le grand spectacle de la mi-temps. Et d'ailleurs, je me souviens que tout s'est super bien passé. Alors, si on allait à la plage comme je proposais tout à l'heure? Bon, va voir Dave. Il te prendra pour claptrap et il te confiera une tâche. Revoyons le souvenir et assistons au carnage que cette unité a provoqué par inadvertance. Oh, pitié! Va pas voir Dave! Ouais, j'espère que c'est clair. Bon, bref, donc on doit aller voir Dave. C'est parti, on va aller voir Dave. Apparemment, Overlook, là, ça va être une zone de combat avec un groupe. Je sais pas ce que c'est. C'est fou! Je veux fuir et
chasseurs de l'arche et je tombe sur une ville qui organise un tournoi sur ce thème. Les forces d'insécurité de cette unité veillent à ce que la vérité reste bien en fond. Tu viens aider pour les feux d'artifice de la mi-temps? Ok! Ils sont dans la baraque de Gubbins, dans la boîte verte. Je te monte sur ton système écho. Faut que j'aille causer à Karima pour le buffet. Bah, une histoire de sandwich ou un truc dans le genre. Oh! Et ne prends pas les rouges! À moins que tu ne veuilles rayer cet endroit de la carte! Je te préviens, cette unité a généré à son insu une sous-routine de déni dans le but immature de masquer la vérité, y compris pour elle-même. Encore pas beaucoup, je sais pas trop quoi trop parler. Je vais parler un petit peu de la chaîne en ce moment. Donc, oui, en ce moment sur la chaîne, essaie de nous barrer le passage. Pilonne la baraque pour la remettre en place. Ça devrait nettoyer le chemin et corriger ce souvenir. Bravo le sbire. Vous avez dit qu'il fallait voir ça. Cette fichue boîte ne veut pas qu'on la ramasse. Parce que cette unité n'a jamais pris les feux d'artifice. Juste pour m'expliquer, j'ai pris les explosifs à la place car j'ai pensé que ça pèterait beaucoup plus fort. Et c'était vrai. Prends les feux d'artifice et pose-les aux endroits indiqués sur ton système écho. Ouais, reconstitution. Reproduis ce qu'a fait cet idiot. Et
franchement, je suis juste là. Je peux pas le contredire. Tu es incontestablement un idiot. J'avais pas fini sur ma chaîne, donc YouTube, et si franchement je suis contre vous, donc ensuite les tutoriels, parce que j'en faisais, hein, j'en fais toujours, hein. J'avais tenté d'en faire parce que je désugais en fait pour quelques tutoriels. J'en connais un qui va chercher dans les souvenirs d'un autre cluster pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Chers abonnés de TV à la carte, quelle édition de CDA Factor exceptionnelle! Pour le show de la mi-temps, nous recevons le meilleur groupe de Pandore, les complètement cuits. Est-ce que vous êtes chaud? Notre grand sponsor est Hyperion. C'est quoi ce truc de mes couilles? J'ai payé pour Monster Buggy Lingerie Wars, pas du CDA Factor à la noix! Alors, faites du bruit pour les complètement cuits! Feu d'artifice, go! C'était trop chouette! Ils m'ont laissé appuyer sur le bouton des feux d'artifice à la mi-temps pour l'arrivée de la fanfare! Cet événement devrait déclencher une reconfiguration mémoire.
Configuration mémoire détectée. Redémarrage. Alors accélérons la cadence de nouveau. Là, ça va vraiment faire mal. Nous y sommes presque. Plus qu'un souvenir à revoir. Y a vraiment rien à voir par ici. Accepte la vérité, mon ami. C'est ton seul moyen de t'épanouir. Chasseur de l'Arche, va parler à la citoyenne que l'on appelle Karima. J'ai de la chance que je sois allergique aux flingues. Après les feux d'artifice, c'est le bazar partout. Mais on a réussi à récupérer des fournitures médicales et transformer l'église en centre de triage pour les concurrents. Vous pouvez les apporter à mon mari. Je sais que tu ne voulais pas blesser les concurrents hier soir. Peut-être pourrais-tu leur montrer que même si tu n'as pas eu sa route, cœur. Processeur attise le mépris et la haine chez les autres. Hey, chaque sigle quand même pas. J'ai pas dit que c'est surtout de la différence. Tu sais, non, je te hais. Hey. Vraiment, hein, c'est de la haine. Et bon village. Allez, encore du monstre. Pose les fournitures ici et va-t'en, avant que tu ne fasses empirer les choses. Oh, non mais tu l'entends? Comment il juge et tout? J'ai comme une faim de... Je dirais de pâte. Faites la frappe et sois aussi con qu'un skag, soit un virtuose pyromane de sa mère le hot dog. Je regrette pas mon abonnement qui coûte une blinde. Reconfiguration mémoire détectée. Redémarrage. Voilà ce qui a provoqué la mort de tous les autres concurrents. À part donc le retardataire. Ok, bon, j'ai accidentellement réduit l'église en cendres. Mais franchement, qui n'a jamais fait ça parmi nous? Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Le joker du tournoi, le quatrième chasseur de l'arche potentielle, est un arrivant de dernière minute, un remplaçant. C'est la rencontre la plus bancale du siècle. Je trépigne sur mon fauteuil. J'aurais dû mettre un slip. Hashtag rien à voir. Hmph.
voilà la clé dérogatoire. Voilà. La sous-routine de Denis n'a plus nulle part où se cacher. Non, c'est faux, bordel de merde. Rattrape-la. Commence à balancer du gros steak. Wow, ça me donne une idée. Je vais créer ma propre compète, encore plus brutasse. Hashtag ambition. Ciao. Alors c'est parti, on va battre le boss. C'est obligé de se battre comme ça. Ouais, un boss. Sniper électrique, ensuite une arme qui balance du feu. Ça, ça balance du feu. J'ai un sniper de feu, ça peut trop m'aider. Toi, oh, un fusil d'assaut. En plus avec un petit loup par terre qui fait plaisir. Pourquoi pas. Hop, je vais reprendre le feu. Laquelle de ces deux armes va faire le plus mal? Ah bah oui. Je la prends direct. Hein. On va voir quelle arme j'ai abandonné pour. Je vais lâcher un truc de merde. Hein. J'ai un mode de classe qui a l'air plutôt pas mal. Personnalisation pure soirée. Ben. À l'acheter. Allez, on va tuer. Je vais la mettre comme arme. Voilà. 100% bande de minables. Foutu le bordel ici. Espèce d'idiot. Tant d'atrocité. Du mal à l'éternité. Ça
corps sur le coup. Donc maintenant qu'on a une RC sur l'histoire de la trappe sur le test de la bas, je vous invite pour le prochain épisode. Donc, on retourne avec ce spirit. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai pas trop parlé, je suis un peu d'accord. Mais bon, au moins j'espère que ben, ça sera. Je suis bien d'expliquer que vous l'aimez. N'hésitez pas à me dire au moins dans les commentaires, ça serait cool. Sur ce, bye. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.